T'as pas super mine, Dawn. Ah ouais? Eh bah Dawn, Tyler est un sale c***. Tu devrais essayer de rentrer à la maison. Ah, non, ça jamais. Rien à faire. Écoute, il te fout en l'air, ce type. Non, ce qui me fout en l'air, c'est pas Tyler. J'ai besoin... Tu rentres à la maison. Qu'est-ce qu'il y a? T'as fait une connerie? Non, c'est juste que... Enfin, qu'est-ce que tu me manques? T'as pas laissé les clés de grand-père sur contact? Non! Écartez bras et jambes. J'hésiterai pas à vous exploser la cervelle. Les mains dans le dos. Qu'est-ce qui vous a pris? Il a piqué la voiture à mon grand-père. Ferme-la. Content de t'avoir vu, frérot. Vous êtes complètement malade. Je suis poursuivi, pourquoi? Pour conduite d'un véhicule sans permis, port d'une arme dissimulée, voie de fait, tentative de meurtre. En gros, pour être un guignol avec de la... dans le crâne. Meurtre ? Ouais. Ce gars, il a piqué la voiture à notre grand-père. C'est n'importe quoi, ok, déstresse et écoute ce qui va se passer. La justice va t'envoyer une convocation. Tu vas te présenter le jour dit, tout le monde y sera, sauf le policier qui t'a arrêté. Du coup, toutes les poursuites seront abandonnées, ok ? Ouais, ma sœur, alors ? Libre comme l'air. On a dit que l'arme était à toi. Allez, sors! Arrête de faire le avec moi à longueur de journée! Sors de cette bagnole et viens me parler! Si tu l'entends, ton grand-père est un bras fâché. Deux, ouais. Sors de cette bagnole, on va causer! Et il a toutes les raisons de l'être. Sa caisse, je l'ai empruntée, je l'ai pas volée. C'est à moi qu'on l'a volée. Oui, mais il n'en reste pas moins que tes grands-parents sont désormais sans moyen de transport. Je veux dire par là que ton comportement d'hier au soir a eu de graves conséquences. Je comprends que tu sois triste pour Dawn. Moi aussi, ça me détruit. Bah, ramène-la à la maison alors.